Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Attack on Titan UHC, un concept que vous commencez à bien connaître à force. Inspiré de l'anime du même nom, Shingeki no Kyojin, ce jeu reprend la base du jeu du loup-garou, mais dans l'univers de SNK, avec des soldats, titans et j'en passe. Une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui tester un nouveau rôle, et enfin on va changer un petit peu de camp, et tester autre chose que des titans. Je parle bien évidemment du seul et unique... Oh, je suis Levi. Intéressant de fou, frère. C'est la première fois que je suis Levi. Je ne l'ai jamais été dans aucune de mes games. Ah, le fameux Levi. Soldat et personnage très emblématique du manga, j'ai enfin l'occasion de le tester, et je vous le dis d'entrée, c'est le meilleur rôle soldat, de loin. Mon objectif sera de retrouver mes alliés soldats pour démasquer les titans et les éliminer, à la manière d'un loup-garou. Pour ce faire, je dispose d'un sucre enchanté. À son activation, j'aurai les effets speed 2 et 7% de force pendant 4 minutes, et j'ai un cooldown de 3 minutes entre chaque utilisation. Autrement dit, je peux quasiment être tout le temps en speed 2 plus force. De plus, la force octroyée augmentera en fonction du nombre de soldats morts. Si 25% des soldats sont morts, ma force passera à 14%. Si 50% des soldats sont morts, 21%. Si c'est 75% de morts, 28% de force. Et enfin, si je suis le dernier soldat en vie, j'aurai 35% de force. C'est-à-dire plus que les titans eux-mêmes. C'est clairement fumé. De plus, si le titan colossal vient à mourir et que Armin et Erwin sont encore en vie, à leur mort, je pourrai ressusciter l'un d'entre eux en titan colossal. Et donc avoir un titan colossal chez nous. Enfin, je peux aussi lock un joueur avec mon arc tridimensionnel, arc qui permet de se téléporter en tirant une flèche. Je peux donc bloquer mon arc sur ma cible et être téléporté à 5 blocs autour de lui lorsque je le souhaiterais. Voilà, ça c'est Levi. Ça c'est le soldat le plus pété du jeu. Ça faisait bien longtemps que j'avais envie de le tester. Alors on va pas perdre de temps et on va directement passer à la phase stratégique. La phase où je vais devoir trouver qui sont mes alliés et qui sont les titans qui cherchent à se faire passer pour mes alliés justement. Exactement comme au loup-garou quoi. Dernière chose, comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez qu'on teste encore d'autres rôles, dites-moi lequel en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Oh, attendez quoi, je peux avoir plus 35% de force? Oh la dinguerie frère. Oh, si je suis le dernier soldat en vie, j'ai plus 35% de fucking force. Alors là, les gars, on va tuer les soldats, hein. Je vous le dis, on va tuer tous les soldats, hein. Ouais, bon, la question du coup, les gars, est-ce que en vrai on ferait pas deux pièces là plutôt que de faire l'épée? Est-ce qu'on ferait pas deux pièces? Je pense qu'on va faire deux pièces en vrai. Avec mon rôle, je pense qu'en vrai c'est peut-être plus worth. Je vais faire sharpness 4, hein, j'ai le temps vu mon stuff là. Je vais faire mes deux pièces parce que là j'ai beaucoup plus le temps. On va bien évidemment faire une T4, hein. Par contre là il n'y a pas le choix, absolument une T4. Ton rôle a été spoil chez Marwan, super. Ça, ça fait plaisir en tout cas les gars. Ça fait plaisir de se faire spoiler. Je voulais que je vous dise encore spoil, ouais, ça fait beaucoup quand même. Ah, alors ça, ça change pas mal de choses déjà. Encore une fois, encore une histoire de spoil sur le chat d'un des joueurs de la partie. Plus un gars qui s'est connecté sur le vocal en mettant un message spoil en mon rôle. Plus ce même gars qui s'est connecté carrément au serveur pour envoyer des messages privés aux joueurs connectés pour leur donner mon rôle. Bon les gars, là on est fatigué quoi. Là va falloir penser à sortir ou trouver un taf. Néanmoins, voilà, j'apprends que mon rôle est spoilé à pas mal de joueurs, d'autres non. À voir si ça a une importance plus tard dans la partie ou non. Bon bah écoutez les gars. Au moins tout le monde saura que je suis Levi. Au moins j'ai envie de vous dire. Eh, protection 3, protection 2, protection 3, sharpness 4, les quelques gapples et tout. Non, en vrai ça va, on est bien là, on est pas mal. Bah, l'avantage de toute façon c'est que j'allais être forcément cramé très très vite avec mon rôle, hein, parce que vu que je vais me transformer assez souvent, c'est pas hyper dérangeant on va dire. Bon, je sais pas si c'est par là, apparemment oui, donc je pense que c'est par là-bas, ouais. Bah les gars, si vous voulez faire la game. Salut Marwan, ça va ou quoi mec? Tu t'es fait encore spoil mon rôle, super. Ça fait plaisir pour changer. En vrai, de toute façon, au pire, c'est pas très grave parce que bon, c'est pas. Oui, voilà. Disons que c'est pas le rôle le plus discret, quoi. Oui, 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 du coup, pour le coup, ouais. Genre là, bon. Genre, je veux dire, j'allais vite être cramé quand d'un coup t'allais passer à côté de ça, quoi. Genre, de toute façon, je pense que je vais rester un peu tranquillou dans mon coin histoire de pas que tout le monde me colle, tu vois. Tout le monde a des. De toute façon, dans tous les cas, même si tout le monde me coach, je pourrais pas savoir si c'est des titans ou des soldats. Donc, dans tous les cas, ouais, c'est ouais, 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 tout le monde va rester autour de toi. Quoi. Ouais, tout le monde va me safe, mais surtout, peut-être que les gens vont vouloir me casser la gueule très vite, surtout. Du coup. Bah, si quelqu'un te casse la gueule, on se traîne. Bah, du coup, on sait qu'il est méchant, quoi. Oui, oui, voilà, oui. Y a pas de. J'ai une question, là. Ouais. Ouais. Marwan, pourquoi t'as sauté une personne qui est là-bas, là? Apparemment, y a un mec qui est venu, il a dit. Bah, va pas au zéro, ça va te sauter. Oh. Attends, je vais l'écouter, fais attends. Vas-y, je reviens. Les gars, c'est quoi cette histoire de Marwan là? Bah, par moi, il vient d'attaquer. Mais 3 coeurs, on a plus. Il vient d'attaquer qui? Il est parti. Et ouais, on a aussi, il y a Bombi et Kung Fu qui sont partis ensemble. Et Bombi a dit, viens, j'ai un truc à te dire. Moi, je pense que j'ai compris l'histoire. Il s'est barré, frère. Je note. Y'a qui, Marwan alors, qui serait méchant, Guy? Mais c'est bizarre parce que, ouais, apparemment, mais on n'a pas de confirmation de la personne, quoi. Salut, ça va ou quoi? Marwan est loup. Il a attaqué qui? Il a attaqué ZWF. Et je pense savoir comment il a fait pour s'échapper. Bah, genre, juste j'ai couru ma race. Ouais, j'ai couru ma race et tout. Non, j'ai même pas pensé. Bon, bah, les gars, on va aller le fumer, ça va être vite vu. Hein. Il est peut-être ultime, hein, y'a moyen. Ouais, par contre, c'est possible en vrai, c'est possible ça en vrai. Hein. Trois coups, il tombe à un cœur, ouais, c'est forcément ultime. Hein. Il est full stuff. Vu qu'il a strength sperma. Ah, il a strength sperma l'ultime maintenant. Jusqu'à qui tue un mate.
Oh, mais en fait, il... mais à mon avis, tu sais quoi, même un truc à la con, hein. Je pense même que en fait, Marwan a attaqué direct un de ses mates, en fait, pour avoir direct le pouvoir de l'ultime. Ouais, je pense, tu... il est peut-être titan TWF, Nosafi. Surtout qu'il justement, il utilisait ça comme un moyen de se safe. Et ça commence directement. À peine arrivé au centre de la map, là où tous les joueurs se retrouvent en général, on m'informe que Marwan serait sûrement méchant. Il y a même déjà une théorie sur le fait qu'il soit le titan ultime, qui est le traître des traîtres en gros. Il aurait voulu tuer tôt un de ses potes pour avoir rapidement sa deuxième transformation. Une situation assez cocasse puisque j'étais avec lui quelques secondes avant. Et en plus de ça, on me fait aussi parvenir que Bombi et Kung Fu seraient potentiellement aussi méchants. On note donc les trois pseudos à se méfier. Bombi, Kung Fu, Marwan. Les gars, écoutez, moi je vous propose, on va lui casser la gueule direct. Comme ça au moins... Je pense pas qu'on va le retrouver. Hein. Je pense pas non plus, en vrai. Vous voulez une info intéressante? Ouais. À environ 300 blocs du zéro. Ah. Qu'est-ce que tu racontes toi? Bah mais... vraiment pas quoi. Mais j'allais dire, j'avais des méchants. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pas vrai, je suis vraiment pas méchant quoi. Allo, je suis pas méchant. Bah regardez, je vous prouve mon rôle. Ah attends, je te prouve mon rôle. Je te montre. Non mais attends, laisse-moi deux secondes. Vas-y. Je te dis mon rôle, monsieur. Bah viens là. Voilà, il arc. Ah t'as arc. Mais viens là-bas, frère. Ouais, elle est loc. Ouais, voilà, bah c'était la seule maille. Oui, bon, c'est de la merde. Kika est mort, c'est Kung Fu, il est là. C'est genre, il était en mode vas-y, je te montre mon rôle, mais ok, bon, on est fous de... Oui, bon, d'accord, hein, c'est. Bon, je pense que savoir ce que t'es, je pense que t'es Armin, t'as regardé. Oui, c'est clairement Armin. Je trouvais vraiment bizarre. Alors, écoute-moi bien. Gilly, toi, tu vas rester avec moi. Ouais, toi, ouais. Toi, tu vas clairement rester avec moi, toi. Toi, alors là. Intéressant. Planton serait donc soit Armin, soit Erwin, vu qu'il a sauté sur un supposé shifter sans information connue. Donc, je suppose qu'il a soit vu son inventaire et donc son item de transformation en shifter, soit son rôle précis. Donc l'un des deux rôles cités précédemment. Très intéressant. Je vais essayer de rester avec lui pour pouvoir le ressusciter en cas de mort du colossal. Bon du coup c'était qui? C'est Saitama Kujo? Bah du coup je pense qu'il y a aucun shifter sinon et en 2v3 ils peuvent gagner. Même si à Levi mais pour l'instant au début il est pas très fort. À part négative je connais pas le rôle... Enfin on a un groupe safe à part négatif. Je vais pas te mentir que là... Après vous connaissez pas mon rôle aussi mais bientôt oui. Il est au zéro les gars. Ah c'est bien ça. Vous pensez que c'est Marwan? Possible. Yo les gars, Saitama Kujo shifter. Et Marwan, je sais pas s'il est titan ou s'il serait même pas genre RN ou un truc comme ça en vrai pour récupérer un max de pouvoir et l'attaquer dès le début, tu vois. Soit il est RN, soit il est titan ultime et il a strength permanent et il attaque peut-être l'un de ses mates d'ailleurs. Marwan, quoi? Il a tué la Gabi avec. Mais frère, c'est plutôt quoi? J'ai rien compris à ce que t'as dit, mais vas-y, on. En vrai, je pense qu'il est safe. Je pense vraiment qu'il est safe. Je pense savoir il est quoi? Si tu veux, je peux dire ton rôle, son rôle. Marwan transfos. Vas-y, tu veux, vas-y. Je pense qu'il est Onya Copen et il a TP. Lui? Ouais. Il paraît qu'il y avait Bombi et Kung Fu aussi qui étaient ensemble et qui étaient genre un peu bizarres donc Ah ouais? Ouais. Ah. C'est quoi? Ah, c'est vert, okay, c'est vert. Bon, okay, bon bah on est tous safe. Ouais, sauf s'il y a un solo, Jean. Sauf s'il y a RN dans le top. Ok, Zoro, Jean, Onya Copen, Levi, Côté Armin, ou Erwin. Et moi, bah après, vous connaîtrez mon rôle bien. Donc on a Jean, Armin, ok, ça va. Pas mal ici en vrai. Parfait, une première fusée de Jean. Pour rappel, lorsque Jean tire une fusée au milieu d'un groupe, cette fusée s'affiche soit en vert s'il y a que des safes autour de nous, soit en rouge s'il y a des traîtres parmi nous. Et elle est verte. On ne le voit pas de mon côté, mais les autres me le confirment en tout cas. Notre groupe est donc potentiellement safe. Sauf si Eren est ici, vu que Yelena et Gabi sont donc morts. Ces trois rôles sont les seuls à pouvoir passer outre le pouvoir de Jean. Mais là, il ne reste que Eren en vie. Donc on a quand même un très bon groupe quoi qu'il arrive. Oh, y'a l'éclaireur! Bah, y'a l'éclaireur! Ah, bah, y'a l'éclaireur! Je sais qui? Je sais c'est qui? Mais what the fuck? Mais toi, tu connais toute la game, frère! Le mec, on est là, il nous donne tout, frère! Je vous dis direct, c'est Totoma, je prends. Oh putain! Ça, c'est bien ça. Sauf si c'est Eren qui l'a tué, et là, j'ai peur. Oh, mais imaginez, c'est Marwan et Eren, ça casserait trop les couilles, hein! Je jure que ça casserait trop les couilles, ça. Et après, il y a Eren 9. Bon, déjà, y'aura pas de transfo, je pense. Ok, tous les soldats, ils ont force pendant 15 minutes. Tous les soldats ont force pendant 15 minutes? Merde, trop bien là, alors. Go 0 alors, go 0. En vrai, là, ça va être très vite fait pour trouver les titans, en vrai, je pense. Ouais, ça vient juste de se transformer. Hein. Et c'est un de se transformer juste là. Hein. Non, négativement, il est là-bas. Oui, mais c'est pas. Non, il était là-bas. Mais de quoi négatif? Mais gros, je sais pas toi avec le. Trop de gens. Ouais, gosse cassé. En vrai, plus y'a de soldats qui meurent, mieux ça, plus ça m'arrange moi. Donc en vrai. Ouais, et grâce à moi, t'as encore plus de force. Mais non, c'est pas possible, frère. Mais là, j'ai 5% de boost bientôt. Ah ouais, le feu. Genre, ça veut dire qu'à la fin, quand si je suis le dernier soldat, j'aurai genre 40% de force en plus. C'est ça l'idée. Faut qu'on trouve des titans en fait. Faut qu'on arrive à trouver qui c'est. En vrai, sans rire, attendez les gars, parce que y avait qui dans le groupe là-bas? La question c'est qui n'est pas là-bas? Parce que moi, je pense que c'est ceux qui ne sont pas là-bas justement. Mais pour moi, les gens qui sont pas là-bas sont titans en fait, tu vois. Pour moi. Peut-être. Eux aussi, mais en vrai, ça m'étonnerait que en fait les soldats ne soient pas au centre quand il y a une attaque comme ça, tu vois. La vérité, va falloir que tu restes en vie histoire de peut-être il va y avoir une noire. Ah, mais c'est même pas la vérité, c'est là, il va falloir. Le problème, c'est que moi j'ai pas beaucoup de gap, donc ça va falloir. J'en ai 13, j'en ai 9, si jamais.
Quel dégât, frérot, je te jure. Bah ok, déjà au moins c'est réglé. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Déjà il est pas RN et surtout c'est pas moi Rouen et donc ça. Mais du coup il y a plus de rôle solo là, donc c'est on défend. Ouais mais l'ultime il passe à travers le pouvoir de Jean. Non mais c'est Marwan, c'est sûr que c'est Marwan. C'est Marwan l'ultime, c'est sûr. Donc en gros on est forcément tous safe ici. Ah yes. Bon du coup t'es Erwin mec. Ah t'es Erwin du coup. Putain stylé. C'est le groupe de Omega et tout frère. Oh là 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 frère, c'est compliqué là, on est en train de. T'as gagné combien de force là? Je sais pas, c'est pas écrit mec. Moi j'ai rien d'écrit là. Putain mais frère ils sont où là? Alors par contre on risque de tomber sur le groupe des shifters et là ça va être un problématique hein. Oh non. Ah mais mec, ils sont où là? C'est pas possible. Putain mais les gars, c'est quoi ce bordel? On est en train de se faire rouler dessus quoi. Nous commençons à perdre 4-5 soldats. En temps normal, ça semblerait dire que nous sommes en train de nous faire rouler dessus. Mais rappelons que plus les soldats meurent, plus je deviens puissant. Le spectacle va bientôt devenir explosif. Bah attention, ça va être très simple hein. C'est en face? Je pense hein. Un peu à gauche, Ah les gars, vous faites quoi vous? Y'a un petit œuf les gars avec vous. Parce que là les gars. Venez, on va sur les autres là. Je comprends rien. Y'a beaucoup de gens là, oh y'a beaucoup de gens derrière vous là, c'est quoi ce bordel là? Ah mais tiens, y'a Marwan là. Oh, vous faites quoi là? Ouais, je comprends rien, moi. T'es avec tous les titans, mec. Non, vrai, je suis pas. Trop de gens, y'a trop de gens, frère. C'est quoi ce bordel là? Y'a trop de gens, frère. Pourquoi ils sont tous collés en permanence au même endroit, toujours? Tiens. C'est qui avait la T3 frère? C'est groupe de 6, ouais. Venez avec nous, ouais. On essaye. Il est où le mec? Petit Jean, tu veux pas faire un petit truc au cas où? Ah non, mais Nosafi, il est mort. Il allait se fight là-bas. Ah putain, Nosafi Onion Copon, il est mort. Enfin, il fait chier. On peut y aller si vous voulez. Moi je suis toujours. C'est un gigabain de sang entre titans et soldats. Juste avant le fight, j'ai aussi été boost par Zaclé. Et je gagne donc 5% de force en plus. Oui, en plus de mon autre force déjà active. Ouais, les gars. Bah, ils sont tellement. Oula, les gars. Ouais. Vous êtes trop les gars. Mais non, on est 5. Ah ok. On est 5, nous, c'est groupe de 6. C'est groupe de 6 hein. Mais oh là là, mais c'est pas possible, on était en 6v5 et on perd le fight. Non pas toi. Comment c'est possible? Ah c'est bon, c'est 5v2. Ouais je suis là, viens m'aider s'il te plaît. C'est bon. Vas-y, termine les frères. Non, derrière là. Ils ont le feu, mais. Vas-y, c'est bon. Ah, vas-y. Bon, nice. C'est bon, il est mort. Ok, c'est les putains de shifters en fait, ok. Salut. Oh, ok, c'est J'y vais. Pourquoi il y avait 10 000 personnes autour? Comment on a réussi à perdre ce fight, bordel? Je comprends pas là. Il y a des taupes dedans. Il y a des taupes qui nous ont laissé crever exprès. Je comprends pas, hein. Mais mec, on était 6v5 et d'un coup on s'est retrouvé à 3, genre. C'est bon, hop, je l'ai tué, c'est bon. Énorme fight entre tous les camps. Nous avons drastiquement descendu les titans. Ils ne sont plus que 3 plus l'ultime. Mais nous nous sommes aussi fait décimer. Il ne reste que 5 soldats. Dans mon malheur, j'ai tout de même récupéré énormément de force avec tous les morts, plus le boost de Zaclé. Et nous avons quand même réussi à emmener dans la tombe 2 shifters, qui sont le Warhammer et le Cuirassé. Mais le combat n'est pas encore gagné. Ça risque d'être très tendu jusqu'à la fin. Il est bien en dessous là, mais je sais pas où est notre pote. Ah bah il est mort. Bon, c'est 4 pantalons P3 si tu veux. Non, ça va aller. Putain, quel dommage que Planton est mort. Quel dommage, là j'aurais pu tellement le raise. Vu que le colossal est mort. Il reste. C'est Omega et Saitama Kujo. Ok, donc Omega, Saitama Kujo et 3 titans. Et l'ultime. Falco, je sais pas qui c'est. Oh, ouais, il y a Totoma, ouais, c'est Totoma et moi contre tout le monde, quoi, en gros. Je connais pas trop les autres rôles. Ouais, bon, ça me va, quoi, tu vois. Il y a rien d'intéressant. Il y a une head. Et tu peux être que éclaireur. Je connais pas les autres. Yo les gars. Vous êtes quoi? Juste pour savoir. Ah. J'ai pas de spoil. Ouais mais genre vous faites confiance? Non. Moi je viens de sortir de cave hein, à l'instant. Attends mais du coup, vous êtes tous les deux les derniers soldats? Attends, il reste combien soldats? Attends, vous êtes tous les deux soldats? Ah ouais, enfin, vous foutez de notre gueule là. Y'en a un de vous deux qui ment. Y'en a un de vous deux qui ment. Moi je viens de sortir de cave. Ok bah c'est simple, le soldat attaque l'autre. Y'en a un de vous deux qui ment. Y'en a un de vous deux qui ment. Saute la personne. Voilà. Il vient de sortir de cave. Ouais il vient de sortir de cave. Il fait pas mal. Tout le monde.
Bien joué, c'est bon, on a fait le bon choix. Yes. Bah les gars, en fait, j'ai instacké quelques dégâts Apple, hein, donc. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, je comprenais pas pourquoi on avait perdu le fight, mais en fait, si, on a perdu le fight parce qu'il y avait des titans et des shifters en fait. Et ça, j'avais pas compris qu'il y avait les shifters qu'on fightait en fait. Il faut qu'on tue Marwan absolument là. Voilà, je vous le dis, c'est. Il est ultime, c'est sûr. Il est ultime. Ouais, c'est sûr qu'il est ultime. T'as, par contre, Thomas, t'as tellement bien joué. Ah, j'ai heureusement. T'as tellement bien joué parce que je me suis turn, mais t'as trop bien joué. Hein. Bah, je veux bien les gars parce que j'en ai 4 et là, ils sont là. Attends, bouge pas, hein. Faut que je regarde un truc. Marwan. Mais pourquoi vous teamez ensemble, vous? Mais on est deux. Et ah non, non, non. On est ensemble. Non, mais y'a Marwan, y a Marwan. Je croyais qu'il y avait Marwan. Ok, recule, bro. Est-ce qu'on est ensemble? Non, mais non, mais je croyais que c'est parce qu'il a dit Marwan, c'est pour ça. Bon, okay. Putain, il me dit plus rien. Maintenant. Tank un peu. Allez, tank fire, hein. Je sais pas, il t'a. Allez, go. J'ai activé mon booster, les gars. Hein. C'est bon. Ok, ok. Oula, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il est lourd, il est très lourd. Je connais pas les items, je connais même pas le mon inventaire. Ah, je suis mort. Je connais pas les timings. Aled, mais pourquoi je suis tout seul? Je sais pas. Pourquoi je me suis retrouvé tout seul là? C'est bon. Pardon, pardon. L'autre il est charlotte. Ouais, ouais. Putain, on peut lui tuer des sous, ça. What the fuck? Oula, tu vas vite. Ah, il a raté sa flèche. Alors bon. Putain, vous êtes bien quand même, hein. Je peux pas run. GG. Oh là là, bah alors là. Ah, bon. Alors là. Oh non, trop dommage. Oh là là, le demi-cœur. Oh non. Ah, dommage, putain. Eh, tu m'as mis. Oh, tu mens. Un bon damage là. Si je me détranspo, là, je suis mort. Hein. Arrêtez de me boost, les gars, arrêtez de me boost. Ouais, ça me fait juste perdre du temps qu'autre chose en fait. Ouais, ça ne marche pas, les soldats. Ah, il est broke. Ah. Tapez-moi pas, tapez-moi. Ouais, ok, parce que je me suis pris des coups là. Attendez. Bien joué, les gars, bien joué. GG. Nous tuons Omega qui était le mâchoire. La game se dirige vers la fin. Nous ne sommes plus que 3 soldats contre le reste de la game. Avec Totoma éclaireur, donc aucun effet comparé aux adversaires. Et Firefly qui est soldat simple, sans effet non plus, du coup, ça va être chaud. Je suis le dernier vrai rempart du camp des soldats. Alors là, les gars, on peut le faire. Alors, je vous le dis, ça va être chaud, mais faut tuer Marwan. Mais on peut le faire, d'accord, les gars, on peut le faire. Alors justement, mon pouvoir, je le perds dans 30 secondes, donc va falloir attendre un tout petit peu. Dans 210 secondes, je peux le reprendre. Dans 210 secondes, ça fait genre 3 minutes et demie à peu près. Putain, oh, c'est pas facile, hein. Franchement, on s'est fait déboîter, les gars. Si on la gagne, on l'aura mérité, celle-là, hein, je vous le dis. Hein. Alors, dans quelques secondes, je vais pouvoir en plus réutiliser mon arc lock. Parce que ça c'est... Ouais voilà, ça y est, je peux utiliser mon arc lock. En gros, j'ai juste par exemple, je fais clic droit sur toi. Et je fais un clic droit, après avec mon arc ça me TP sur toi. Donc, genre vraiment c'est trop fort en fait. C'est quoi qui reste? C'est des petits titans. Si tu m'as one on a gagné, je pense, c'est sûr. Parce qu'ils ont speed, ils ont pas force pour les buter. Ouais, voilà. C'est que des rôles qui ont speed, sauf si l'ultime a tué un titan. Dans ces cas là c'est un peu de la merde là. Ouais, je peux dire que là. Oh, ils sont tous là. Oh, je me fais sauter dessus, les gars. Petit problème technique. Attends, les perles, c'est obligé ou pas, Gil? Ah non, 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 non. Parce que... Ah bah si, si, parce que t'as les arcs aussi. Ah ok, bon bah. Ah, je crois qu'il va mourir notre potin, je crois. Ouais. Ah, il est mort. Moi, je pense vraiment que tu devrais me laisser, quoi. Ouais, mais. Je te jure que je peux trahir les autres, hein. Ouais, mais. Ah bah frère, ils sont bien, ouais. Ils sont vraiment bien. Ouais, mais je pense qu'on a gagné, ils sont tous tués. Ah ouais? Ouais, ouais. Vas-y, prépare-toi. Vas-y, vas-y, ok. Vas-y, t'es prêt, on y va? Vas-y, on y va. Enfin, de faire... T'as combien de pourcent de force? Ah d'accord, ah ouais. Ça va, il... Vas-y, ouais. Défonce les frères. Oh, il y a l'autre, il y a un kill. C'est pas sympa de le... Vas-y, frère, je suis là. Fais gaffe derrière. Et derrière. Ah ouais, je suis avec toi. Vas-y, on reste bien ensemble, vas-y. Ok, il est parti, on va sur l'autre. Surveille juste tes arrières, mec, ok. Quoi? Eh, ici. Allez, viens là, mon gars. Ouais, franchement, tu me laisses 10 secondes et je me terre là. Rien te laisser du tout, mon gars. Ok. Pas trop de jouer pour le moment. Oh là là. Putain. Arrête pas de fuir. Je retourne voir mon mate. Il va se faire tuer là.
Il faut vite que j'aille au 0-0 le retrouver. J'ai une 42 pour gagner. Une minute 42 pour gagner là. D'ailleurs, Fly, il a bien joué hein, quand même. Il est soldat, il a pas d'effet, il a bien joué quand même. Ah, putain, franchement. Ah, non. Pas sympa. Ah, ah. Ah, ouais. GG. Mon rôle il rigole pas trop en vrai, hein, franchement c'est... Quand je suis transfo, juste que je retrouve Firefly on est bien, on a gagné normalement. On va se retrouver ici, on aurait dû se donner un point de rendez-vous, en vrai je suis trop con. S'il meurt c'est ma faute, hein. Là pour le coup normalement c'est gagné puisque je pense que transfo j'ai des meilleurs effets que le charrette. Surtout que de toute façon même s'il meurt je suis le dernier titan en vie, je suis le dernier soldat en vie donc j'ai plus 40% de force. Donc je pense que j'ai un effet force assez énervé. On a bien fait tuer Marwan d'ailleurs hein, je pense. Hein. Allô. Ça va mec? Ah bah, pff, bah c'est bon. T'as réussi à survivre en vrai, c'est cool en vrai. J'avais sur soin de gars. Il est là, hein, il est là. T'es pas arc? T'as pas, je suis bien. Oh là là. Comment tu tends, gros? Ah. En vrai, attends, combien? 4 secondes, mec. Dans 4 secondes, c'est bon. Comment ça? Ah, là, c'est bon. Merde. Attends, tu fais mal, je pré-aide. Je pré-aide, vas-y, c'est bon. Y'a des aides? Mais. Oh, tu. Oui, tu fais mal. Vas-y, je gap. Il doit mourir. Y a pas à tanker comme ça, frère. Tu es nos casques, hein. Normalement. Ah bon? Oh, ouais, oh, t'as ouais. Pas de casque. Oh merde. Ah, bon, c'est bon. Ouais, je crois que c'est moi qui vais être nos casques bientôt. Là. Ouais, bon, GG. GG. Oh. Putain, oh, c'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin cette histoire. Hein. C'est pas passé loin. Hein. Putain, j'étais à 3 coeurs, mec. Hein. À 3 coeurs. Hein. Et c'est une victoire. Extrêmement serrée jusqu'à la fin, je remporte cette partie pour les soldats en étant le tout dernier joueur en vie. Ça m'a été énormément bénéfique puisque je suis monté à 40% de force supplémentaire au total. Entre mon pouvoir et le boost, clairement c'était fumé. Exactement comme je m'y attendais pour ce rôle. C'est Levi quoi, c'est pas étonnant. Et je suis content d'avoir enfin pu le tester et bien en profiter. Ça fait plaisir quoi. Surtout que ça faisait un petit moment que vous le vouliez celui-là. Alors n'oubliez pas surtout, faites-moi exploser cette barre de like si vous voulez qu'on en teste d'autres. Dites-moi tout ça en commentaire aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'adore ce type de partie. J'espère que je pourrai continuer à en faire. Et sur ce, je vous dis des bisous les potes.